Des enfants jetés à la rue cherchent à subsister. Leur univers, vol, petit boulot, prostitution. Kinshasa, dans le centre-ville, le cimetière de la Gombe. C'est dans ce lieu où se reposent les morts et les esprits des ancêtres que les enfants des rues ont trouvé refuge. Je m'appelle Guichou. Et quel âge as-tu ? 14. Et ça fait combien de temps que tu vis dans la rue ? Dans la rue ? Depuis la rue de Président Mobutu. Ça fait longtemps ? Oui. C'est hier. Mon papa, je dis, il est parti en voyage à Paris. Ça fait beaucoup longtemps là-bas. Bon, il est changé nationalité belgicaine depuis là jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas de nouvelles de lui? Oui. Et ta maman? Mais mon petite soeur, il est parti là-bas. Et ta maman, elle est où? À Brazza. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des sous? Moi, ouais. Je cherche l'argent. Comment je cherche l'argent ici? Ouais. Exemple, je vis un garçon. Elle me donne l'argent. On part avec elle. On dort avec elle. Et ça, tu fais ça tous les soirs? Oui. Et tu les trouves où, ces garçons-là? À boulevard. Dans le boulevard? Et ce sont des grands, souvent? Oui. Pas. Les jeunes. Et ils te donnent combien pour dormir avec toi? 500 bien. 1000 francs. Et avec ça, tu peux vivre? Oui. Alors, tu achètes à manger? Oui. Et tu partages avec les autres ou pas? Je partage avec les autres. 14 ans. Boya qui n'a pas la balle depuis quand? Papa na mama bakabwana. Mama za Luanda, kota papa biso. Ana masina petro kongwa veni ki mwenza. Bon, na balabala osala ka msala ni. Si ka mbala benga ka palali na pesi mbonde na ni. Osala ka prostitution. Bafuta ka yo combien? Amso apisa ngata ba 700 fo msi ni. 700 000 francs. Na mukolo moko zo aka mibali boni. Non. Avec quel argent? Il faut de l'argent? Non, mais on cherche pas l'argent. Si il prend l'argent, il partage ça. Ça, je mange et je prends un peu, je cherche les drogues, j'achète. Ça drogue 5 ans. Regarde les prêts. Il a fait comme ça avec les champs. Attends, tu vois. Ouais. Je prends ça, mais si aujourd'hui je vois que quelqu'un m'a dit que je peux faire une chose pour ma vie, je laisse ça, c'est facile. Si je prends le travail de oui. Personne n'a pas ça,
Pessamaï. D'accord, toi, tu donne-moi. Tu es en train de la drogue ou pas toi? Moi, je prends ça, mais si je dis comme ça, si quelqu'un, tu vois comment je prends ça. Il y a les drogues là. C'est ça, les drogues là. Et j'ai comme ça, papa. Il fait comme ça. Attends, tu attends. Attends, tu vois comment. Non mais c'est pas bien, arrête, arrête, parce qu'il faut pas. Bon, ça l'anime. Bon, esprit ma belle, en deux mois, ma belle, mais ce que je courage pour que nous relouquions, pour nous relouquions. C'est avant de dormir, moi-même, je viens, je demande, pardonnez-moi Jésus, je suis à fond de l'arrêt, encadrez-moi de la nuit. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je n'ai pas de parents. C'est toi-même Dieu. Pour ça, je dors. Ce n'est pas je viens seulement comme ça. Je dors, non. Et toi, tu n'as pas peur de vivre ici dans le cimetière? Je peur. Ça m'a fait mal dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon père n'est pas là. Si mon père il était là, je ne peux pas vivre ici. Et tu penses qu'il va revenir, ton père? Je ne pense pas, parce que ça fait 5 ans. Et pourquoi tu as peur de dormir ici? Mon cœur, ça me fait mal. Je vis ça, ça je vis. Ça je vis, c'est pas les vies, c'est pas les bonnes vies. 5 heures du soir, l'heure de se préparer avant de se rendre sur le boulevard du 30 juin à la recherche des clients. Mama arrive en pleurs. On lui a volé ses babouches et on l'a droguée au Valium, nous dit-elle. Le temps d'abuser d'elle. Les moineaux, ces enfants des rues, sont nombreux à venir dans les marchés, des lieux où ils peuvent encore récupérer les quelques restes d'une société appauvrie, comme ces braises de charbon de bois. Okay,
Zéphira est éducateur. Il travaille à la Croix-Rouge de Belgique, qui est présente au grand marché de Kinshasa. Un lieu d'écoute pour les enfants des rues, très nombreux ici. Bonjour Bouti, je suis en train de sensibiliser les enfants pour qu'ils quittent la rue et qu'ils rentrent chez eux à la maison. Et la plupart disent qu'ils fuient la faim. Et parmi ces enfants, ils disent qu'ils ont perdu l'un ou l'autre membre de famille. Aussi, beaucoup avec le phénomène diamant, les mamans sont parties en voyage à la recherche du diamant. Et ces mamans ont abandonné leurs enfants. Tantôt, un enfant disait qu'ils ont perdu l'image des parents. Les temps qu'ils sont restés dans la rue, 2 ans, 3 ans, les parents ne leur disent rien. Quand on a continué à l'âge de 7 ans, pour la côte qui n'a pas été chassée. À l'époque, on a moins de camarades, comme Koïba, Pesco, ou des médecins qui ont abandonné Koïba. Allez, tant qu'on a abandonné Koïba, on a encore 15 ans. Allez, ma mort, si vous avez un peu de problème, on a moins de balabas dans la société. Joël est dans la rue depuis quelques mois. Au marché, il balaye des étals pour 50 francs congolais, c'est-à-dire en euros, à peine 12 cents. Il doit lutter pour vivre. Le soir, il vient chercher ses quelques francs. Cela lui permettra d'acheter un pain. Dans la commune de Kazavubu, un prêtre belge a ouvert il y a quelques années déjà un centre pour les enfants des rues. Les jeunes viennent ici pour se laver, pour se soigner lorsqu'ils sont malades, ou pour cuisiner. Des éducateurs donnent des cours d'alphabétisation à ces enfants dont beaucoup ont soif d'apprendre. Ils ont quitté la maison, c'est pas par leur propre volonté, c'est par la faute des parents. En général, c'était ça, parce que les parents ne sont pas ensemble. Mais souvent, la cause, c'est le divorce de leurs parents qui est à la base de cette situation. Il y a aussi la misère, la situation sociale.
économique du pays, vous voyez que le pays est en, dans une crise très, très, très avancée et beaucoup des parents ne travaillent pas, ils sont des fonctionnaires, ils sont impayés et la famille ne parvient pas à supporter les enfants. Quoi. Ils préfèrent aller dans la rue parce que là, ils veulent trouver quelque chose à manger. Quelles sont les plus grandes difficultés de la vie dans la rue pour eux? Bon, c'est la survie, hein. Comment survivre, quoi. Parce qu'il y a toujours la police, il y a toujours des adultes qui conçoivent très mal leur présence dans la rue. En disant qu'ils sont des sorciers, tout ça, bon. On les piétine, hein, ils leur donne des coups de pieds, des coups de sabot. La police est là aussi pour les arracher les peu d'argent qu'ils ont. Oui, c'est grâce à une aide extérieure, une dizaine d'enfants ont commencé à aller à l'école. Un vrai bonheur. Depuis que la guerre a frappé le Congo, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, donne du maïs. Les enfants reçoivent ainsi une fois par jour une bouillie de maïs, souvent leur seul repas. La situation des filles de la rue est encore plus terrible. Ainsi, pour les protéger, l'œuvre du père Franck vient d'ouvrir un centre où les plus jeunes peuvent rester. Elles sont une quinzaine. Les plus grandes viennent pour se laver, manger une bouillie. Tu t'appelles comment? Kombona. Niclette. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Au Salimbula, combien de balles? Alors raconte-nous ton histoire. Je m'appelle Vanessa. Vanessa, et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Moins d'un an. Pourquoi as-tu quitté la maison? On l'a maltraité. Et pas ta maman, donc sa tante l'a maltraité. Comment ça se passe la vie dans la rue? Vu à Balaba les années dernières. Et là, on est au Tana Ngo à Balaba. Donc elle va chercher l'argent en faisant la prostitution. Et elle amène l'argent là et donne ça à la grande fille. Dans la rue, elle se nourrissait de la mendicité. D'abord la mendicité, faire des petits travaux tels que la vaisselle dans des restaurants. Elles sont là, on les envoie, va faire ça, va faire ça. Elle peut faire après, on va lui offrir un peu de quelque chose à manger. Donc elles se nourrissent comme cela. Mais des fois, parmi elles aussi, elles font la prostitution. Elles ne font pas ça par plaisir. Par plaisir, non. Elles le font puisque, bon, à cause des souffrances. Toute la journée, elles sont là. Elles ne voient qu'à manger. Mais brusquement, un monsieur peut venir, non? Moi, je voudrais faire avec toi ceci, cela. Elle va accepter. Comme ça, on va lui donner un fils que 50 fois pour chercher de quoi manger. À partir de quel âge elles se sont prostituées? Même à partir de 5 ans, elles sont violées. Oui, même à partir de 5 ans, elles sont violées. Les filles que vous voyez, toutes sont violées, sauf il y en a deux, c'est trois.
qui ne sont pas violées, elles viennent directement de la famille. Bon, les autres là, tout le monde déjà a déjà passé ces C'est terrible. Oui, c'est une ville qui est très terrible. Très, très terrible. Puisque les enfants que vous voyez là sont vraiment. Elles courent de grands dangers. D'abord la violence. Elles sont maltraitées par des militaires et des policiers, même aussi des civils. La nuit, la rue est devenue très dangereuse pour les enfants. Ainsi, le centre de Popocatépetl leur a ouvert ses portes. Ils sont plusieurs dizaines à venir s'y réfugier, fuyant l'insécurité grandissante de la rue. Ils sont nombreux, les enfants des rues, qu'on accuse de sorcellerie. C'est le cas de Eric et Dieu merci, qui se sont réfugiés dans les rues de Limété parce qu'on les accusait d'être des enfants sorciers. Un phénomène amplifié par les églises de réveil qui pullulent dans la cité. Zéphirin a décidé d'aider ses enfants et de lutter contre ses croyances. C'est un phénomène très fréquent ici, de voir que la plupart des enfants sont accusés de la sorcellerie. Souvent, ce sont des enfants orphelins, soit des pères, soit des mères, et qui se retrouvent dans des couples recomposés. Alors, soit c'est la marâtre qui pousse l'enfant à la rue, l'accusant des sorciers, soit alors le père qui n'est pas le père nourricier qui qualifie cet enfant de sorcier. C'est un phénomène qui est passager, où réellement il n'y a pas de preuve pour dire que ces enfants sont sorciers. Et parce que les enfants disent, on m'a donné la sorcellerie par les pains, par la graine d'arachide, par le grain de maïs, on m'a donné la sorcellerie par la banane. Lorsque l'enfant est accusé de la sorcellerie, on l'amène chez le pasteur de l'église. Et dès que le pasteur confirme la réalité, c'est fini, l'enfant n'est plus tranquille. Et cet étiquetage des sorciers le fait fuir de la maison, le fait fuir du quartier, et il trouve refuge dans la rue où il va vivre l'anonymat. À qui on a déclaré sorcière dans l'un des quartiers à Matongi. Et partout où la fille s'est promenée, ces gens-là étaient derrière la fille pour informer les gens dans quelque chose qui ne les concernait même pas. Au lieu de le dire, non, ils étaient là pour informer n'importe quoi. Non, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. On a su cela parce qu'elle a été amenée dans une église. Elle avait dit qu'elle a mangé si c'est tous ses parents. J'entendais qu'il devrait la faire brûler. Du côté spirituel, elle avait beaucoup de problèmes. L'âme se retrouve dans les sangs. Et c'est dans les sangs qu'on retrouve la vie et la mort. Et spirituellement aussi, elle avait des problèmes par des rêves et des cauchemars. Alors, on a essayé un peu de l'encadrer. Cette fois-ci, vous avez entendu le pardon. On a entendu cette fois-ci, tout est accompli. Le Dieu qui relève l'indigent de la poussière, qui retire les pauvres de l'ordure,
pour les faire asseoir avec les grands. La vingt Cyprienne disions amen. Amen. Pour la gamme. Lors de la révolte des enfants des rues au grand marché de Kinshasa, après la mort de l'un d'entre eux, c'est le chanteur Werrason qui est venu à la demande des Tchégé comme médiateur. Il a créé une fondation et en collaboration avec une ONG, il a mis en place un projet pour réinsérer une grosse centaine d'enfants des rues. Na balabala to banda kotambula to zala na bilambati to banda kotambula na bilambe pasuka me lelo yo to kompe batu to komna bilamba ya bien ba kompe obenga biso pe batu fondation oyo monde entier ba kotala bino ba ko aider bino batu mingi ba ko ni maté petit na photo bolela ka boku boku ne photo a vacances mabongo pona yango. Non, c'est la binoka discipline, c'est la binoka discipline. Di discipline. Au camp Luka, là où vivent les Yaka, une tribu originaire de la région proche de la frontière de l'Angola. Un quartier sans électricité, abandonné, où vivent plus de 400 000 personnes. Dans cette mégalopole quinoise mangeuse d'hommes, Valentin Mitendo a décidé d'encadrer ces jeunes déracinés. Ces enfants, je fais ce qu'on appelle la réinsertion culturelle. Ils sont nés ici. Il y en a même qui ne connaissent pas le nom de leur propre village ou le village de leurs propres parents. Je pense qu'il est important pour des gens qui vivent dans des structures comme la nôtre que les enfants aient une base culturelle qui soit à eux. Par exemple, la langue. Par exemple, connaître l'essentiel de sa propre culture. Et il y a ce qu'on appelle une polychromie qui est centrée sur le ndimba, donc le rouge, le noir et le blanc. Et ce sont les grandes couleurs qu'on utilise dans la fabrication des masques. Et partout dans le rite initiatique, ces couleurs sont symboliques. Quand on s'enduit de cette matière, on sort de l'homme ordinaire. On entre dans un état d'initié. Vous avez remarqué que sous le ventre des enfants, on a mis plusieurs traits blancs. Ce sont des étoiles. On ne peut pas vivre sans soleil, sans étoiles. L'étoile communique. On fait communier l'initié avec la nature, le soleil l'associe à la vie totale. Il faut leur donner un fondement culturel. Et ce fondement culturel est une base de combat pour quelqu'un qui veut vivre. Si à la base, l'enfant Tchégé, l'enfant de la rue, ne sait pas que insulter quelqu'un, c'est un problème, que ça déshonore quelqu'un, eh bien, on peut lui donner le plus bel immeuble, on peut lui donner les moyens les plus faramineux pour qu'il puisse se permettre de travailler. Il n'avancera pas parce qu'il y a un sous-bassement culturel qui manque.
C'est là que les traditions ont beaucoup réussi. Quand on sortait de ces universités traditionnelles, on avait un diplôme qui vous amenait vers votre vie. La plupart des gens qui sont passés dans le rite initiatique, quand ils arrivent en ville, vite ils s'adaptent. Parce qu'on leur a appris à écouter la société. L'écouter, c'est-à-dire savoir s'adapter aux réalités de la société. Quand je vois la révolte de Chegueoumache, quand je vois plusieurs choses qui se sont déroulées dans nos milieux publics, quand je vois les enfants sur la rue en train de mendier, j'ai peur. Peut-être que c'est une bombe qui risque d'exploser d'ici quelques générations.